Hier, pendant que Clochette est à l'école, je vais faire mes dernières courses de Noël. Enfin, mes dernières courses de Noël. Globalement, je fais toutes mes courses de Noël, que j'ai passé mon temps à postposer en me disant oui, mais ça, je ferai plus tard, je le ferai à ce moment-là. Et en fait, au final, je n'ai toujours rien. Là, en arrivant, je réalise que j'ai oublié ma liste. Parce que j'ai quand même essayé de faire une liste, parce qu'en fait, moi, le problème, c'est que tout le monde me donne des idées. Et si je ne note pas, je ne mémorise plus rien. Je suis dans le centre-ville en me disant ok, donc je devais aller dans une librairie pour prendre les BD que Clochette voulait. Oui, mais c'était quel numéro qu'elle m'avait dit? C'était surtout quelle collection? Je ne sais plus. Et donc, j'étais dans les rayons en train de me dire mais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et lequel? Je me retrouve sur internet à essayer de regarder aussi les images en me disant tiens, peut-être que si je vois l'image, tac, ça va me repercuter. Oui, enfin, sauf que rien ne me percute. J'ai le temps d'aller sur internet, de chercher, je cherche dans le vide. Et je suis avec mon écharpe et tout mon bazar et j'ai chaud. Je me dis ça y est, voilà que j'ai une bouffée de chaleur qui va commencer ici. Et le vendeur me dit je peux vous aider, madame? Écoutez, oui, enfin peut-être. Je dis je cherche des bandes dessinées pour ma fille, mais je ne sais plus comment ça s'appelle et je ne sais plus quel tome elle n'a pas. Et là, il me regarde, il me fait ah, oui. Oui. Mais je dis, je regarde dans les rayons jusqu'à ce que ça me... Parce que je me dis, je vais reconnaître le... Et le vendeur me regarde et il me fait, je vous laisse alors. Il a dû se dire, pauvre femme. Franchement, c'était vraiment ça. J'avais l'impression d'être Dory dans l'océan. Et j'aurais pu faire, je cherche une bande dessinée. Oui, enfin, sauf que personne ne m'aurait répondu. Donc là, je me dis, je vais téléphoner aux enfants. Il y a peut-être un des grands qui est à la maison. Non, évidemment, personne n'était à la maison pour faire une photo de ma liste. Enfin, donc écoutez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu chaud. J'ai été m'acheter une gaufre, j'ai mangé. Je me suis dit que ça allait me faire du bien. Et je suis remontée dans ma voiture et je suis rentrée chez moi. J'y retournerai un autre jour. Oui.